Bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir ce nouveau vlog. Je vous ai pas pris ce week-end, voilà, parce que je n'avais pas trop envie et que voilà, je n'avais pas non plus trop de choses à vous dire. Du coup, voilà, je vous ai pas repris. Du coup, on vous reprend ce lundi 14 juin. Ça va trop vite. Déjà le 14, je ne vois pas les semaines passer. Aujourd'hui, on est lundi. Il y a déjà 24 degrés, je reviens. J'étais occupée à vous dire qu'il y avait 24 degrés à 11h50. Je suis en train de mourir, c'est pour ça que vous voyez, je suis un peu à mon aise chez moi, parce que là, je vais pas bouger, à part peut-être ce soir, parce que monsieur aurait vu qu'il y aurait un Cultura près de chez nous. Du coup, on veut aller voir s'il y en a un ou pas. Voilà, du coup, on se dit qu'on irait peut-être bien voir. Il faudra peut-être que je me change du coup, mais c'est pas grave ça. Voilà, pour le moment j'ai trop chaud, du coup je suis à mon aise avec une petite robe à l'aise. Voilà, du coup je voulais vous revenir parce que j'ai quand même lu pas mal, enfin en 2 jours, c'est bien, vendredi et samedi. Dimanche je n'ai pas lu. Voilà, du coup ma lecture, j'ai choisi, je sais pas si je vous l'avais dit dans le vlog précédent. J'ai choisi Coupable, I Love You. Oui, je crois que je vous l'avais dit. Coupable, I Love You. Voilà, de chez Hugo. La collection New Romance. Ah non, non, New Romance. C'est là, c'est Romance. Voilà, il est trop beau. On suit une avocate. Je suis à la page 112. Que je vais aller continuer après parce que j'ai envie de me mettre à mon aise et lire. Du coup, on va suivre Sarah. C'est une jeune étudiante. C'est une jeune avocate parisienne, totalement dévouée à son travail. C'est une grande dame de sa famille. De tous les combats, elle n'hésite pas à se mettre régulièrement son boss en colère. Ouais, et ses collègues en marche. Secrétaire souffre, ne peut assurer un rendez-vous dans le palais. Sarah accepte de prendre la place, convaincue. En fait, sa secrétaire, tous les midis, elle va dans un palace, un hôtel 5 étoiles. Et ici, elle fait un malaise. Je vous spoil pas, hein, parce que c'est dans les 100 premières pages. Du coup, elle fait un malaise et du coup, elle dit à Sarah de prendre sa place. Mais cette place, elle pensait arriver et le dire à la. Comment on dit en bas? Oh, comment c'est? Oh! Ce qui tient l'hôtel. Oh, les. À l'entrée, vous voyez. Mais c'est pas dans le prix, du coup, et il lui dit de monter. Il lui dit le premier étage, à droite ou à gauche, je ne sais plus, enfin, soit. Ça, on s'en fout. Et du coup, elle doit aller dans la chambre et elle va toquer. Et pour elle, elle va dire, juste aller dire que sa collègue ne va pas rejoindre, mais il y a un truc qui va se passer. Elle ne va pas péter un mot. Elle est sous le charme de cette personne. Cette personne, on nous l'a décrit, c'est un homme, avec des beaux yeux. Voilà, on ne sait pas plus sur lui. Et si on comprend bien, la secrétaire de Sarah, elle fait en même temps escorte. Enfin, escorte. Je ne veux pas dire le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle couche avec les hommes le temps de midi. Voilà. Et voilà. Du coup, voilà. Et je vais continuer parce que là, j'ai fini. J'ai su arrêter, vous voyez? Je n'avais plus que ça à lire et j'étais à un nouveau chapitre, mais je suis partie hier, du coup voilà. Je suis au chapitre 10 que je vais commencer maintenant. Voilà, chapitre 10. Voilà. J'aime bien pour le moment, ça se lit assez bien. Vous voyez, j'ai lu en 2 jours 112 pages. C'est pas mal. J'ai lu plus le samedi. Parce que samedi, j'en ai fait quoi? Je suis en train de réfléchir, mais je ne sais plus. Hier, je sais que au matin, on n'a rien fait de spécial et parce que pour nous, c'était la fête des pères, mais mon papa n'était pas là, il était en formation, mais il avait eu son cadeau le week-end d'avant. Voilà, j'avais fait le week-end d'avant pour être tranquille et
Du coup, voilà. Et du coup, ma tontine, elle nous a proposé d'aller manger des boulettes sauce tomate. Ma mamie, mon chéri et moi. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a mangé, on était pour midi, manger des petites boulettes. Et puis, on a joué aux cartes. Je sais pas si vous connaissez, mais Uno et Rami. C'est pas mal aussi, Rami. Et du coup, voilà, je suis rentrée qui était 9h. Et quand je suis rentrée hier, ben, j'ai lu. Enfin, j'ai lu. J'ai regardé une ou deux vidéos et puis j'ai fait dodo. Parce que la veille, j'avais pas beaucoup dormi avec le match de foot qui avait gagné. J'avais fait quoi samedi? Je suis perdue, je ne sais plus. Ah ouais, j'avais été en France au matin. Et quand je suis revenue, je me suis reposée un petit peu. Et au soir, monsieur voulait jouer son truc de fourmi là. Parce qu'il y avait un truc à faire le soir, c'est jusque 2h du matin, je pense. Voilà. Il était se coucher à 3h. J'ai dormi par des petites coupes. Enfin, j'ai dormi avec des coupures dans mon sommeil. Du coup, c'était pas trop ça. J'étais fatiguée, j'étais éclatée. Et du coup, hier, je suis rentrée, j'ai fait quelques trucs. Et gros max à 10h, j'étais presque dans les bras de Morphée, quoi. Il était 9h. J'ai presque rien fait, je me suis occupée de mes animaux. Je me suis donné un petit coup sur moi et j'ai été me reposer. Monsieur a fermé, ouais, fermé un petit peu à son PC vers. Ah non, il était un peu plus tard, oui, c'est vrai. Il était 10h30 qu'il a coupé le PC et puis il est arrivé et puis je me suis endormie. Ouais, c'est vrai. Voilà, sur ce, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai passé un bon week-end, fatigant. Voilà, je suis claquée pour un lundi matin. J'ai un peu mal à la tête. Je sais pas, est-ce que c'est la chaleur. Ici, j'en avais plus d'eau dans mon frigo parce que j'aime bien l'eau un peu plus fraîche. Et là, j'avais plus d'eau. Du coup, j'ai bu du coca, mais c'est pas ça qui me donne encore plus soif. Là, j'espère que l'eau va être froide. Comme ça, je vais me boire un grand verre d'eau parce que j'ai soif. Et voilà. Et là, je vais aller dans mon fauteuil et je vais aller bouquiner un petit peu parce que j'ai envie de lire. Et je crois que je vais faire pour après-midi. Je vais faire une somme de 1 heure pour essayer de faire passer ce mal de tête que j'ai. Parce que de toute façon, monsieur finit à 3h. Et là, il va être midi. Je vais manger aussi un bout. Voilà. Je vais peut-être manger un bout. Regarder une vidéo en attendant. Ouais, ou alors je vais regarder. Non, je vais continuer à regarder Lucifer en mangeant une tartine. Et voilà. Et après, je me ferai un petit roupillon. Ou bouquinage, on verra bien. De toute façon, ce soir, c'est sûr, je lis. Voilà. En fait, ici, je venais pour faire la vidéo de mercredi, mais je pense que je la ferai demain. Parce que là, j'ai vraiment pas le courage. Tant pis. Voilà. J'espère que les avant-premières que vous allez avoir 2 jours d'affilée, enfin, vous avez lundi et mercredi. Lundi, elle est déjà mise en route. Elle est mise depuis 8 heures. Et celle de mercredi, il faut que je la mette, il faut que je fasse le montage demain. Je ferai le montage demain. Voilà. Je ferai ça demain. Voilà. Je suis claquée. Je vais aller manger, boire un petit verre d'eau et je vous retrouve tantôt ou demain. Je pense que ce sera plutôt demain qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tantôt ou demain.
Tutus, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer ma petite collection de gel douche. Voilà, du coup, il y a Lady, Bambi, Jumbo, Pot, je sais pas comment ça se dit, les soeurs damasiens et Marie. Voilà, je suis adorable. Là, c'est quoi? J'ai pas vu les petites phrases dessus. Animateur, voilà. Et les masques, du coup, on a Blanche-Neige, Réponse, Cendrillon, la petite sirène Belle et encore Blanche-Neige. Je vais mettre l'autre, mais c'est pas les mêmes, vous voyez, regardez. Là, elle est avec sa robe normale et ça, c'est sa robe du film, on dirait, je crois. Je ne sais pas. Et vous avez des masques, voilà. Vous n'allez pas savoir lire. Allez, fais le focus, voilà. C'est pas ancré en français, du coup, on sait pas du tout. Si ça vous dit, je les ai trouvés sur Action. Comme je disais sur Instagram, ceux-ci, je les avais déjà au moment de Noël. Ceux-ci, je les ai trouvés aujourd'hui. On est le 14. Voilà, chez Action. Et ceux-là, j'avais déjà une partie aussi. Voilà, je ne sais plus lesquels. Mais voilà, mes trois... nouveau, ça c'est sûr, c'est mes trois nouveaux d'aujourd'hui. Ça non, j'avais une partie à Noël et l'autre j'ai pris il y a un moment déjà. Mais voilà, pour ceux qui intéressent, chez Action, ils vendent ceci. Voilà, et je vous montre de plus près. Là, ouais, elle est dit. Et alors, il y a un truc à lire, mais il faut que je lisse. Mais j'avais trop envie d'avoir la collection de tous ces petits bébés. Voilà, je les ai tous comme ça. Normalement, il m'en manque pas un seul. Voilà, je vous laisse. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Ne regardez pas ma tête, elle ressemble à rien. J'ai juste fait un chignon ce matin. On est mardi 13 juin. Voilà, je reviens dans ce vlog. J'avais des trucs à vous montrer. Ok, juste là. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais les choper déjà. Hop là. Hop là. Voilà. Parce que hier, j'ai été à Cora avec monsieur. Parce que on va voir un Cultura qui va s'ouvrir. En fait, on voulait aller voir. Parce que sur le site internet, il est marqué qu'il est déjà ouvert. Il n'y pas marqué de date d'ouverture, rien du tout. Du coup, on s'est dit, on va aller voir. Du coup, c'est ce qu'on a fait hier. On a été voir. Et du coup, monsieur avait envie de faire un tour à Cora. Et du coup, on a été faire un tour à Cora. Dans Cora même. Et puis, on a fait un tour dans la galerie. Et j'ai les cheveux qui drigue. Monsieur a été faire un tour à Action. Il a racheté une canne à pêche. On a acheté beaucoup de chips. Voilà. Il a acheté une canne à pêche. Je ne sais plus quoi. Des petits leurres, je pense. Enfin, soit. Et moi, en attendant, j'ai trouvé ma bibliothèque préférée d'occasion neuf. Voilà. Que vous savez à la longue. Bibliothèque Poly. Voilà. Vente, achat et c'est vente, achat de livres et DVD. Voilà. Celui-ci se trouve à Châtineau, à côté, enfin, dans Cora. Et du coup, j'ai dit, je vais faire un tour. Mais au début, je pensais pas acheter. Et j'avais vu la semaine passée, j'avais été à Honville. J'avais vu ceci, Le Roi sans pitié, le tome 1 de chez Hugo. Et c'est Megan Marche. Voilà, ici c'est le grand format et le grand format est à 7,98€ et le petit est à 7,98€. Du coup, je me dis pourquoi pas le prendre en grand format. Du coup, je me le suis pris le tome 1 en grand format au petit prix. Et alors, après le truc plus génial, c'est ça, j'ai 3 livres. Vous voyez, ils sont emballés, je les ai même pas encore déballés. 3 livres. À votre avis, combien je les ai eu pour 3 livres? Mettez dans la barre d'infos, enfin en commentaire. Mais moi, je vais vous le dire quand même. En fait, je regardais parce que j'aimais bien la couverture qui est ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a deux personnages juste ici dans le visage. Voilà.
Et du coup, je regardais un petit peu et je vois le prix, il est juste là, 3 livres. Je vais essayer de vous montrer. Hop. 19,95. 19,95 pour 3 livres. Du coup, je me dis, pourquoi pas me les prendre, quoi. C'est le prix d'un demi, même pas, parce que ceux-ci sont à 17. Parce que j'ai regardé sur Amazon avant de les prendre. Voilà. Je regarde bien. Mais ils sont à 17 euros. Voilà, le tome 1. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il est marqué 17 euros. Du coup, ben, ça me fait un demi. Général gratuit. Du coup, j'ai le tome 1. J'ai le tome 2. Et j'ai le tome 3. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé. Mais pour le prix, j'avais envie de me les prendre. Voilà. Je ne peux plus savoir. Attends. Je ne peux plus avoir peur. Je ne peux plus lutter contre ce que je ressens. Bon, c'est une histoire d'amour. Elle a connu l'enfer. Pourra-t-elle la sauver? Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie de lire trop le résumé. Voilà, parce que ça, c'est le tome 3. Tome 1. Tome 2. Voilà, parce que j'ai envie de découvrir ça tout seul. Je sais même pas s'il y a marqué les chiffres dessus. Ah oui, tome 3. Ouais. Du coup, j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, je les déballe pour vous, hein, parce que je les ai même pas encore déballés. Et puis, j'ai craqué. Il y avait celui-là aussi. Pour le moment, il y en a beaucoup qui les lit. Et du coup, je voulais. J'avais envie. Mais j'hésite, je sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. Et c'était au même prix que les autres. Ces trois bouquins. Nicolas. Oh, coucou, on me voit dans la caméra. Du coup, je vous montre le prix. Qui est, je ne vous déconne pas. 19,95 pour les trois tomes. Du coup, ben, je me dis pourquoi pas me les prendre aussi. Voilà. Je trouve que ça vaut le coup quand même. J'ai dit que j'allais aller plus souvent. Enfin, je vais essayer d'aller un peu plus souvent. Maintenant qu'il y aura un Cultura, ce sera pire. Voilà. Le portefeuille, il dit déjà merde, mais alors là, voilà quoi. Du coup, je vous montre. J'ai les trois tomes. Du coup, il y a Nicolas. Je ne sais pas non plus. Un marié royal, il est possible entrer une Cendrillon new-yorkaise et le prince charmant. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et je trouve que la couverture est trop belle. Ça fait les cartes de jeu. Après, on a Eri, je sais pas comment ça se dit. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment des suites. Mais voilà. Ouais, il est marqué tome 2, ouais. Et alors, on a Ellie, la dame. Ça, c'est la dame. C'est quoi? Le valet. Et là, c'est le roi. Voilà. On voit plus avec le roi. Le valet et la dame. J'ai un peu moins la couverture de celui-ci. Mais voilà. On s'en fout. C'est pour les lire. Voilà. Et ils ont vraiment rien. Je peux vous montrer. Ils n'ont pas une pète. C'est pour ça qu'ils sont emballés. Ils sont vraiment neufs. Voilà. Ils sont pas. Ils puent pas comme quand vous prenez parfois chez les gens. Et alors, je voulais vous montrer un autre livre. Là, j'ai reçu en cadeau, enfin, c'est un cadeau, ouais, de ma prof. Vous savez, le jeudi, j'ai cours de français et voilà, j'ai eu terminé jeudi passé. Et pour nous remercier, elle m'a offert, enfin, elle nous a tous offert un livre. Moi, c'est celui-ci, mais voilà. Un amour de vintage. Voilà, c'est d'Isabelle Wolf, voilà, chez les éditions Pocket. Tous ceux que je vous ai montrés avant, c'était Hugo. Mais je sais pas si c'est ouais, dans la collection New Roman. Voilà. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais même pas lire le nom de la femme, mais on va passer. S'est lancée. Et voilà, l'heure de porte à porter.
une boutique de vêtements vintage, des sacs dont les poches referment un secret, des accessoires de star, des robes attitude qui fera sourire n'importe qui. Bay, je sais pas comment ça se dit, en a bien besoin. Elle vient de perdre sa meilleure amie et rompre avec son fiancé. Entre les joies d'avoir réussi son projet et de déboire personnel, son cœur balance. Jusqu'à la reconnaissance avec Théo, un Français qui lui confie une histoire de son mystérieux tableau bleu. Entre les deux femmes, ils se tissent peu à peu une amitié faite pour convenir et de ressembler à troublement. Un petit mot d'une personne qui l'a lu. Un livre sur la nostalgie, amitié, la romance, les amours financières et débutantes. Sur tous les grands sujets de Isabelle Wolf, son cher chez Pocket. Voilà. Pourquoi pas essayer de me le caser, mais c'est juste très petit, très serré. Voilà, essayer de me le caser avant plein d'autres choses pour qu'il passe et pour être tranquille. Et elle m'a mis un petit mot aussi. C'est ce qui m'embête parce que je ne saurais pas le revendre. Voilà. Je vous montre pas le petit mot, c'est personnel, mais vous voyez, elle a fait un petit mot. Voilà. J'ai mon chat qui éternue. Voilà. Ils sont fâchés après moi, mais c'est pas grave. Voilà pour ça. Vous aurez vu aussi, je vous ai mis un petit peu des vidéos que vous aurez vu avant. Et dans ma lecture en cours, qui est toujours Love, Coupable, I Love You, je suis à la page 144. J'aimerais bien continuer. Au chapitre 13, j'ai lu deux chapitres hier soir. Voilà. J'aime toujours autant. J'ai juste du mal un petit peu à me mettre dedans. Je pense que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Il fait quand même 600 pages. Enfin, 700 pages. Voilà. Vous voyez, ils sont là, le livre que je vous ai montré. Le premier livre que je vous ai montré. Le roi et l'autre, c'est quoi? La reine de pique. Là, c'était le roi de pique. De piquette. Je vous en ai montré au début. Il y a la deuxième. C'est pas grave, je regarderai après. Et voilà. Du coup, ça, je vais continuer cet après-midi. Là, je vais monter la vidéo pour demain. Je vais peut-être tourner la vidéo pour vendredi, qui sera une spéciale princesse. J'ai fait tomber des sous, princesse. On va ouvrir ça là maintenant. Je vais ouvrir ça après quand j'ai raccroché avec vous. Ça, je vais remettre là derrière. Hop, hop. En attendant, voilà. Comme ça, vous les voyez. Voilà, voilà. Je sais tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas plus à vous raconter. Vous aurez eu les images avant cette partie. Ou après, je ne sais pas comment je vais faire. Non, je les mettrai avant quand même, ce sera mieux. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. À tantôt, demain. Bonjour, tu es seule, je reviens dans ce vlog. On est mercredi. Je n'étais pas possible, c'est normal. Il fait très chaud du coup, je m'occupe pas trop de mes cheveux là. Je fais un gros caca là sur la tête parce qu'il fait tellement chaud. Et ça aère la nuque. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je vous ai même pas dit. Ah oui, j'ai retiré ma montre, du coup, je n'ai plus la date. En ce mercredi 16 juin. Voilà. Moi, ça va, parce qu'il fait chaud. Et que là, je viens d'être. Je me suis remis debout parce que j'étais à terre. J'ai ramassé la balle de mon chat en dessous du fauteuil. Parce que ça, c'est. Ses petites balles préférées. Voilà, tout ce qui est un petit peu en mousse qu'il peut prendre dans sa gueule. On voit pas, mais elles sont déglinguées. Là, on va peut-être mieux voir. Là. Voilà.
J'en ai une dizaine, j'en retrouve une, deux. Je ne sais pas où il me les met. Je ne sais pas du tout. Il est 10h, je ne sais pas combien, vous voyez. 24. Voilà, et je voulais vous revenir pour ma lecture, vous en parler un petit peu. Je suis à la page 220 dans Coupable, I Love You. Au début, j'avais du mal à en rentrer dans l'histoire, mais là, dans mes 220 pages, je suis rentrée dans l'histoire et j'ai compris maintenant. Voilà. Du coup, on va suivre la jeune avocate qui s'appelle Sarah. Et lui, je ne sais jamais son nom, j'arrive pas à le prononcer. Il est où son nom? Il est où? Sarah. Sarah. On alterne entre deux personnages. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et Lia. Elias, je crois que c'est comme ça que ça se prononce exactement. Je suis pas très sûre. Du coup, on va suivre la jeune Sarah qui est une jeune avocate dans un cabinet. On va suivre le jeune alias, enfin le jeune garçon, on va dire ça comme ça, j'aurais plus facile. Je ne sais pas exactement son boulot, j'ai un doute qu'il est aussi dans le truc d'avocat. En fait, Sarah, sa secrétaire va faire un petit malaise et sa secrétaire lui dit d'aller à l'hôtel de luxe ou voilà, elle le donne le nom, mais je ne sais plus le nom de l'hôtel. Je sais que c'est juste un hôtel 5 étoiles. Elle lui dit la chambre 123 et aller donner le message à cette chambre-là. Et quand elle va arriver à l'hôtel, elle veut demander à l'accueil de faire passer le message à la chambre. Mais ils sont pas payés pour ça. Du coup, voilà. Du coup, elle va devoir monter dans la chambre. Et quand elle va arriver dans la chambre, en fait, c'est un jeune garçon. Alias, je sais pas comment ça s'appelle. Ça se prononce. Et du coup, elle va rester un peu sans bouger, sans... Je regarde mon chat qui joue avec sa balle à côté de moi. Je regarde qu'il la fout pas encore en dessous du fauteuil. Je suis perturbée avec ce chat qui joue à côté de moi. Il faut que j'arrête. Voilà. Du coup, elle va voir un truc enfant. Elle va rester bouche bée. Elle va pas savoir quoi faire parce que elle se dit ma secrétaire fait la. Je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube. Sur le temps de midi et elle ne comprend pas pourquoi elle fait ça et mais ce truc qu'ils vont voir ensemble, le rapport, va laisser des marques sur les deux personnages qu'on suit, Sarah et Eliane, je sais pas quoi, enfin soit et voilà et du coup ils vont voir d'autres rendez-vous. Et je le dirai ici, mais après je dirai plus rien. Ici, il lui a proposé d'un petit week-end tous les deux. Et elle a dit oui. Mais ils ont tous les deux ils sont amoureux de l'un l'autre, en fait, sans le vouloir. Voilà, elle est amoureuse de lui. Elle tombe sur le charme de ce beau garçon. Si doux, si tendre, comme elle dit. La première personne qui lui fait autant d'effets en amour, voilà, c'était une personne qui était à 100% à son travail, pas du tout dans ses relations amoureuses. Et voilà, et ici, ben, ils sont en leur week-end et il a un rendez-vous professionnel et pourtant il lui avait dit que tout le week-end serait pour elle. Et en fait, non, du coup, elle se... Elle pense parce qu'elle se retrouve toute seule à l'hôtel et elle se dit voilà, je suis encore considérée comme la... Voilà, vous avez compris le mot.
Et pourquoi elle fait ça, pourquoi elle est là, pourquoi elle aurait dû coûter sa copie. Enfin, c'est la secrétaire qui s'aime pas en fait. C'est la secrétaire et ils se détestent tous les deux. Ils se. Ouais, mais voilà. Elle aurait dû coûter sa secrétaire, de pas retourner. Enfin, soit. Maintenant, je voudrais bien continuer pour voir ce que ça fait. Mais hier, j'ai lu pas mal de pages parce que j'étais à 100... 112. Ça fait quand même ça que j'ai lu hier. 112 et je suis à 100, 220. C'est pas mal quand même. Moi, j'ai une page de trop. Voilà. J'ai lu ça. Voilà. Et je voudrais bien avancer comme ça tous les jours. Ça me ferait bien avancer. Je suis là pour vous dire. J'ai encore tout ça à lire. Voilà. À part ça, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. Il y a d'autres livres qui me donnent très envie là derrière moi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Jamais de continuer à lire. Pourtant, j'ai des trucs à faire, mais j'ai pas envie là. Je sens que je vais faire comme hier. Foutre rien du tout. Voilà. J'ai mal dans ma nuque. Enfin, mes épaules et ma nuque. Je crois que mon chat a encore perdu sa balle. Ouais, je vais devoir retourner la retrouver en dessous de la table. On va le laisser se reposer, je rechercherai après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo. Enfin, les vidéos que j'ai déjà postées. Enfin, pour vous, ce sera samedi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est mercredi. Du coup, il y a une vidéo qui a été mise. N'hésitez pas à aller la retrouver sur la chaîne. C'est deux. Enfin, lundi et mercredi, ce sera deux avant-premières. De cartes Pokémon parce qu'ils sont pas encore sortis, ils sortent le 18 juin. Voilà, j'ai une grosse divine à côté de moi. Ma bébé, bébé, c'est maman, non? Voilà, du coup, voilà. Et j'ai encore une babale, mais tu ne l'auras pas celle-là tout de suite. Voilà, on va le laisser se reposer un petit peu parce qu'il fait chaud quand même. Je sais pas combien de degrés il fait. Je suis en train de mourir. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai chaud. 22 degrés, il est 10h30. Voilà. Du coup, ça va encore bien monter aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve plus tard parce que là, j'ai déjà monté la vidéo, enfin là, le vlog de ici que je vous parle là, de lundi, mardi. J'ai déjà pas mal de rush. Je crois qu'on va encore repasser l'une heure cette fois-ci. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Voilà ce que j'ai commencé. Bon, il était déjà commencé, hein. J'avais déjà fait tout ça, une partie de là. Ouais, jusque là, et hier j'ai fait ça et là, tout ça, là, hop, jusqu'ici. Voilà, j'ai commencé à finir ça. Voilà, et aujourd'hui j'ai commencé le là, et là, je continue pour faire ici pour finir pour refermer la bouche de Stitch. Voilà, c'est avec Angèle. Voilà, je voudrais bien le terminer parce qu'il traîne, il traîne. Voilà, cet été, c'est mon objectif de continuer ce DP qui est magnifique. Voilà. Du coup, voilà, je reviens vers vous. Par contre, ben, je vous ai pas. Du coup, je vous ai dit, j'ai pas vraiment lu mon livre qui est Coupable I Love You. J'ai pas vraiment avancé. Mais là, je pense que dans toute une heure, je vais continuer. Parce que j'attrape mal mon épaule et mon cou. Je vais continuer la couleur que je suis en train de faire là. Voilà, et après, je pense que je vais faire un peu encore une petite demi-heure, je pense, parce que là il est 11h30. Après, ben, je ferai une pause, j'irai manger et je pense que je vais lire après. Voilà, ma viande est sortie, j'aurais qu'à éplucher vite les pommes de terre avant que monsieur rentre. Voilà, mais aujourd'hui c'est un temps bizarre. Vous voyez, j'ai les lettres allumées au plafond, mais il aura pas, je peux les éteindre, mais c'est pour pouvoir clair. Mais il fait. Chaud mais frais, je sais pas comment vous dire. Moi je suis trempée, vous voyez. Pourtant je ne bouge pas, je fais mon DP assis. Voilà, j'ai très chaud. Il y a un petit peu de vent, beaucoup de nuages. Bon, aujourd'hui c'était annoncé logiquement pour la soirée des orages.
Voilà, je pense que mon chat, enfin mes chats, sans l'orage parce qu'ils sont collés à moi. J'ai mon petit Woody collé à moi parce que je lui ai acheté des balles. J'étais faire les courses, je revenais des courses. Attendez, je reviens. Comme je vous ai dit, j'ai été faire des courses parce que voilà, j'avais plus de beurre. Il me fallait du sirop pour mettre dans mon eau. Je vous ai dit hier que j'en avais plus. Et j'ai retrouvé les balles qu'il joue avec, les balles qu'il adore. Du coup, je me suis repris des petites balles comme celle-ci. C'est de cette marque-là. Et alors, c'est des balles en mousse. J'ai pris un stock. Hein. Je peux vous dire que là, j'ai pris deux paquets. J'en ai un autre qui a déjà deux balles de partie. Je vais en sortir une balle. Pas qu'il me la chope surtout. Je suis un peu de travers. Excusez-moi, mais voilà un petit mousse. C'est en mousse. Vraiment en mousse. Vous pouvez écraser. Elles sont pratiques pour les laver. Parce que monsieur me les fout partout. C'est les balles qui passent partout. Elles sont très belles, bien colorées. En plus, on les voit bien. Enfin, quand elles sont cracra. Je pouvais retrouver l'autre. Attendez, je reviens, j'ai trouvé l'autre. Du coup, je vais vous montrer la balle. Voilà l'état de la balle. Vous voyez, elle est jaune de base et verte. Mais quand vous voyez l'état. Bon, regardez pas, il y a des poils dessus, mais c'est normal, il joue avec. Elle est dégueulasse. Elle est en train de se fissurer. Enfin, on voit les coups de dents avec ses dents. Parce qu'il la prend en bouche tout le temps. Voilà, il l'a toujours avec. Il adore jouer avec ces balles-là. Du coup, j'ai refait un stock. Voilà. On ne sait pas où il est, mais je vais relancer. Non, il n'est pas là dans le coin. Bon, il aurait couru. Voilà. J'ai un stock de babales pour Monsieur Woody. Je pense que. En plus, elles sont belles, je trouve, avec les couleurs comme ceci. Elles sont trop belles. Vous voyez, c'est celle-là que je vous ai montrée. Verte. Et jaune, vous voyez bien le jaune qu'on voit bien. Vous avez vu l'état de la balle? C'est horrible. Voilà, comme ça j'aurai un stock de balles parce que je suis fatiguée de me bouger mon. Enfin, je le fais quand je nettoie, mais enfin, pas tout le temps. Une fois par mois, j'essaie de bouger mon divan. Voilà, mais j'en ai marre de le bouger tous les jours pour aller chercher ses balles. Du coup, il aura une balle tous les jours. J'en ai 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. 12 balles, je pense que je pourrais faire et je crois qu'il y en a encore une sur le bureau de mon copain de son papa. Du coup voilà, je pense que on va s'en sortir avec toutes ces balles. Sur ce, moi je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Comme vous voyez, j'ai très chaud, je n'en peux plus. En fait, j'étais juste en soutif de sport. Là, j'ai juste remis le petit t-shirt pour vous parler. Comme vous comprenez, je reviens dans ce vlog. On est jeudi. Oui, jeudi, mais je ne sais plus combien. J'essaie de choper maman parce que je viens de la retirer. On est le 17 juin. Voilà, on est jeudi le 17 juin et je viens de recevoir mon colis. Enfin, j'en ai reçu deux. Voilà. Pop, 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 pop. Mais celui-là, ce sera dans une précédente vidéo. Ce celle-là, le petit colis. Je sais c'est quoi parce que c'est moi qui l'ai commandé. Mais je voulais l'ouvrir avec vous. Jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Du coup, c'est celui que j'attendais avec impatience. Qui est ce monde qui est le mien de Hercule de chez Hachette et Rose. Par contre, je sais pas des Twisteltel, Jen Calanita. Voilà. Et si le mec pourrait rejoindre l'Opus. Voilà. Il me donne très envie. Comme je les avais tous, ben, il fallait bien que je prenne celui-là. Par contre, j'ai pas eu de Boro, celui-là. Voilà. Il est sorti hier. Normalement, je devais l'avoir hier, mais je ne l'ai pas reçu. Voilà. Bon, le chapitre, il n'y a rien de spécial.
Je regardais, mais il n'y a rien de vraiment spécial. Voilà, un chapitre normal. Et voilà. Il me donne trop, trop, trop envie. Il est fluffy, par contre, à part aux autres. Il est vraiment fluffy. Ça, c'est bien. Je vais vous montrer hop, toute la collection pour ceux qui veulent. Je les ai tous. Toujours pas lu. Mais ça va pas tarder, je pense. Enfin, j'attendais qu'ils soient tous sortis. Et le deuxième qui est trop beau. Oh, l'écriture est en relief. Oh, c'est trop magnifique. Je vais retirer le bandeau. Ce sera beaucoup mieux. Oh, il est trop beau. Regardez ça. Du coup, c'est les 100 étrumes de la glace. Livre 1, Métamorphose. De chez Michel Lafond. De Alexia Dely. C'est pas, vous n'allez pas le revoir, mais tout ça est en relief. Vous voyez, il est trop beau. Il est trop canon. Il est canon. Et en plus, je suis contente parce qu'il est arrivé en bon état. Voilà, en super, super bon état. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai vu tellement de personnes qui le montraient et qui me tentaient bien. C'est la, je vais vous dire franchement, c'est la couverture qui m'a vraiment séduit. Et je sais juste que ça, c'est un peu un remake de La Petite Sirène. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai une tente. Comme le Rose Rebelle là, que j'ai lu, j'ai envie de me plonger dedans direct. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y avait des mauvais et des bons avis, je peux faire. C'est vrai, je vais vous lire un petit peu le pitch derrière. J'ai déjà soif. La persivive du passé. Ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle. En échange, pas vraiment spéciaux, atteint d'une mystérieuse maladie qui affaiblit de jour en jour. La lycéenne se retrouve coincée dans les fifitères chez sa tante Exantrinelle. Excentrique. Donc elle ignore tout. Elle n'avait jamais fait face à l'océan. Ce sont pourtant hésitamment attiré par cet univers étendu de l'eau, mais l'océan regorge d'êtres mystérieux, plus dangereux que l'une, que les autres, d'êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescence. Êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes largement. Ouais, il est trop beau. C'est par de l'océan. Et j'ai vu que les chapitres sont pas mal. À ma belle famille qui n'a jamais découvert le merveille de la Bretagne et sans ce roman n'aurait jamais été écrit. Bon là, il n'y a rien. Et là, vous avez une petite bulle avec... Vous n'allez pas voir, mais il y a une petite sirène. On voit, il y a une petite sirène. Il me tente vraiment bien. C'est tous le même, une petite sirène. Par contre, il est, je sais pas si vous allez voir, un peu sale. Ça se voit pas trop. Enfin, il fait... Non, ça se voit pas trop à la caméra. Si je suis un peu comme ça. Non, ça se voit pas. Il est un peu... Il y a des taches dessus. Vrai comme s'il y avait quelque chose qui avait coulé. Je sais pas si là vous allez le voir. Non, ça se voit pas. Ou alors c'est l'effet comme ça. Je sais pas. Non, ça a l'air. Mais il est en bon état. Et c'est chez Michel Lafond. J'ai pas vraiment de livre de chez Michel Lafond. Du coup, voilà, voilà. Et
Je vous ai pas vraiment repris. Enfin, aujourd'hui, on est quand même, il est 11h30. Hier, je vous ai pas. Ah, si, je vous ai pris hier. J'ai pas lu hier parce que j'ai fait du DP. Vous êtes dessus en plus là. Je suis toujours en train de le continuer. Je suis occupée à faire un stitch. Si vous voulez, je peux vous montrer. Du coup, je reviens et je vous tourne la caméra et je vous montre. Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi 18 juin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Moi, ça va un peu mieux maintenant parce que voilà, une journée de folie non, mais j'ai eu très chaud ce matin. Voilà, quand je suis rentrée, j'ai dormi une petite heure parce que j'ai pas beaucoup dormi. On a eu les orages jeudi soir, enfin la nuit de mercredi, de jeudi à vendredi, et j'ai mes petits loulous qui ont eu peur, du coup ils sont venus coller à nous, du coup moi pas beaucoup dormi. Monsieur, comme toujours, il entend mais il s'occupe pas des animaux, voilà. Du coup voilà, j'avais pas beaucoup dormi, du coup je me suis reposée 1 heure tantôt en entendant monsieur qui rentre. Et là, j'étais en train de monter, enfin, de finir de mon, enfin, je monte le vlog. Et c'est vrai que je l'avais pas conclu hier. Du coup, je me suis dit, je vais aller revenir. Là, il est 4 heures et je suis déjà en petite tenue pour avoir moins chaud. J'ai pris ma petite douche. Ça m'a fait du bien. Là, je sèche mes cheveux à libre. J'ai même pas encore démêlé. Ils sont encore tout. Mais c'est pas grave. Et je voulais vous parler en même temps de toujours de ma lecture en cours. Je suis 321. Ça fait ça plus ou moins. Il me reste tout ça encore à lire. Mais là, je pense que je vais les lire. Je suis désolée. La petite moto qui passe. C'est l'été, il fait bon, il fait chaud. Voilà, enfin aujourd'hui il fait un peu moins chaud qu'hier, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'air. Du coup, voilà, on a du mal. Et comme il a eu de l'orage, tout ce qui était au sol a remonté. Du coup, il n'y a pas trop d'air. Beaucoup de vent, mais pas beaucoup d'air. Voilà. Pour vous parler du livre. Je commence vraiment à vraiment, vraiment, vraiment à bien, bien aimer. Cette histoire. Je refais un pitch pour fin de vlog comme ça. On va suivre Sarah, une jeune étudiante. Sa secrétaire va faire un malaise pendant un moment dans le au moment, et elle dit à Sarah d'aller à l'hôtel de luxe à la chambre 125, je crois, je ne sais plus le numéro de la chambre. Et du coup, Sarah, c'est ce qu'elle va faire, et là, elle va tomber sur Elia, je sais pas comment ça se prononce, un jeune garçon. Voilà, elle n'a pas de mots en le voyant, elle reste. En se disant, ma secrétaire fait la. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, ben, elle va parler avec la secrétaire et la secrétaire explique pourquoi elle fait ça. Elle a des bonnes raisons et je la comprends parce que c'est vrai que parfois, en mère célibataire, en envoyant un fils qui doit passer ses examens, on comprend aussi qui est le papa du gamin. On comprend plein de choses. Elle qui tombe amoureuse bien sûr de ce gars, va qui n'est pas fric, enfin si c'est quelqu'un de fréquentable mais pas pour elle. Enfin c'est compliqué de, faut lire le livre pour expliquer. Enfin si il est fréquentable mais voilà, lui il apprend pour une voilà ce que je ne dirais pas. Et du coup voilà, c'est pas toujours le top pour elle. Et elle a essayé de lui faire comprendre que c'est pas une, mais voilà. Mais je pense pas qu'il entend, il ne l'entend pas dans la même façon que voilà. Et il y a plein de petites choses qui se passent et c'est trop chouette. Il l'emmène en vacances, enfin, il se voit 2 fois à l'hôtel et puis il propose un week-end parce que lui aussi tombe amoureux d'elle.
Mais voilà, mais il y a des trucs qui ne que l'un l'autre ne se comprend pas. Et c'est comme ça qu'on comprend que la discussion a besoin dans un a besoin d'écouter et de comprendre ce que l'autre veut dire, parce que là, c'est pas du tout le cas avec elle. Il lui explique et elle comprend pas, et elle aussi lui dit que c'est pas une et lui comprend pas. Du coup, voilà, la plume, elle est fluide aussi. J'aime bien la plume de Isabelle, je sais pas comment ça se dit. Voilà, elle est trop chouette, j'avais jamais vu. Je ne vois pas les. J'aimerais bien le terminer, mais j'en ai encore. C'est pas ce week-end que je vais passer ma journée à lire. Enfin, demain, je ne sais pas, parce que demain, on n'a rien prévu. Dimanche, oui. Enfin, du matin, après-midi, logiquement, on n'aura plus rien. Enfin, je sais pas à quelle heure ils vont retourner, mais voilà. Voilà. Et du coup, je venais conclure le vlog en même temps. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, j'ai tout parlé, j'ai tout montré. Voilà. Vous voyez, il y a le soleil qui apparaît de mes stores. Il y a un peu plus de vent. Ils annonçaient des orages encore aujourd'hui, mais on les attend pour faire du bien. Voilà. Sur ce, je pense que je vais conclure le vlog parce que je suis déjà à. Enfin, ça va, ça diminue. Je suis à 46 de vlog monté. Tout est déjà fait, coupé, tout ça. Du coup, plus les minutes que j'aurai là à vous mettre. Du coup, voilà, ça vous fera une petite cinquantaine de minutes, je pense. 55, 50, 55, voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser à place de raconter des blablas. J'espère que ce vlog vous plaira, qu'il y aura assez de trucs dedans que je vous aurai montré. C'est vrai que la lecture n'était pas beaucoup présente parce que je n'ai pas beaucoup lu, mais je vous ai montré mon diamond painting. Je vous ai parlé je vous ai montré les livres que j'avais. Me suis procuré. La semaine prochaine, je sais pas, mercredi, je pense essayer de faire. Enfin, ça sera dans le vlog, je pense. Je vais essayer de le mettre dedans. Pas faire une vidéo rien que ça. Normalement, je vous ai dit, il y a un Cultura qui va s'ouvrir près de chez moi. Et du coup, on va aller au matin aller voir. Et je filmerai un petit peu dans le Cultura, je pense. Enfin, si j'ai le courage. Parce que c'est vrai qu'avec le. Filmer quand il y a des gens, je suis pas fan. Du coup, voilà. Et j'ai pas trop envie de voir des soucis. Le vent est en train de s'élever. Du coup. Ouais. Et j'ai mes cheveux qui gouttent sur moi. Ils sont pas encore tout à fait secs, du coup. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.